Bonjour à tous. Nouvelle vidéo en fait pour vous présenter cette fois-ci encore un multi-bootloader décidément. Mais ici donc il y a un bootloader qui s'appelle Grub qui est supporté nativement par la VCS et donc par Atari. Ce qui veut dire que tout ce que vous allez voir là maintenant est à portée de vos consoles en fait. Voilà. Ça peut tout à fait fonctionner sur vos consoles. Donc l'idée est toujours pareil, c'est au démarrage de la console de donner accès à un choix de systèmes qui peuvent être démarrés, donc systèmes tous supportés par nativement par la Atari, donc Linux, bien sûr le système Atari lui-même, et enfin Windows. A préciser que donc tous ces systèmes sont installés sur ma carte M2 interne. Voilà. Vous aurez des options aussi, donc au démarrage, la possibilité de redémarrer, possibilité d'éteindre la console, ou possibilité d'accéder aux paramètres de l'UEFI, donc sans avoir à maintenir la touche échappe comme on le fait habituellement. Voilà, donc je vais vous montrer en fait comment créer cette clé USB. Vous allez voir, c'est un peu laborieux puisque dans l'absolu j'ai pas réussi à créer d'image de la clé qui une fois passée à travers Rufus pour être recollée sur une nouvelle clé soit bootable. J'ai pas réussi à faire, donc je vais vous montrer comment j'ai créé ma clé. À vous d'en faire de même si vous voulez avoir donc une clé bootable comme ça en multi-boot qui vous permette de choisir votre système au démarrage. Donc ça je mets de côté. Alors toujours pareil, je vous mettrai ce petit dossier donc à disposition. Dedans vous allez y trouver deux dossiers qu'on va copier en fait sur la clé une fois qu'on aura créé la clé, et on va d'abord pour créer la clé en fait se reposer sur ce petit fichier image que je vous joins, qui est en fait pour information donc la première partition du système Atari en l'état initial, c'est-à-dire comme il est proposé dans l'image de recovery. Donc je lance Rufus, je vais aller sélectionner ma petite image, je valide, je démarre, hop, ok, c'est parti. Donc ça va prendre un petit peu de temps, c'est étonnamment long alors que l'image ne contient rien, vous le verrez, ou en tout cas on ne voit pas ce qu'elle contient, mais voilà, donc c'est on va se retrouver au final avec une image blanche. Voilà, mon image est créée. Donc maintenant, en fait, pour aller déposer les fichiers sur la clé USB, vous pouvez voir ici, par exemple, dans l'explorateur Windows, que la clé n'apparaît pas. Pourtant, elle a bien été formatée, la partition est présente. Mais justement, c'est une partition qui n'est pas lisible par Windows. Ce qui est étonnant, puisque a priori, c'est du FAT32, mais pour autant, il ne la voit pas. Alors. Donc, je vais dans Disque Genius, je retrouve ici ma clé USB, je retrouve ici la partition qui vient d'être installée donc par Rufus, elle est là, je rentre dedans, donc on voit bien effectivement, comme je vous le disais, qu'elle est complètement vide, et je vais donc sélectionner mes deux dossiers ici, Boot et EFI, donc que je vous mettrai à disposition, et je vais les faire glisser ici sur ma clé USB, j'accepte. Voilà, donc vous voyez que les dossiers se sont bien copiés, ils sont sur la clé USB, donc ma clé USB est prête en fait. Alors pour le premier démarrage en fait de la clé USB, il faut en fait l'amorcer, donc on va redémarrer, et on va passer en fait par le gestionnaire de l'UEFI, donc au redémarrage on va maintenir la touche échappe, juste après l'allumage de la lumière de la console, pendant à peu près 5 secondes, profitez-en, c'est peut-être la dernière fois. En ce sens que vous n'aurez plus besoin justement par le futur de maintenir la touche échappe pour aller sur le gestionnaire du FEI puisque le multi-boot vous le proposera. Voilà, donc on va aller sur Boot Manager,
On va vérifier que donc la clé USB est bien positionnée sur la première ligne. Donc c'est ce qui lui permettra de démarrer en premier. Donc je la valide. Voilà, donc ça démarre pas de problème. Je vais, juste histoire de faire les choses proprement, la redémarrer. Ça lui permet tout simplement en fait d'enregistrer les différents fichiers de boot et de ne pas avoir à tout rescanner en fait à chaque fois. Voilà. Donc là normalement, ça démarre. Voilà. Donc ça y est, le multi-boot loader est installé en dur. Donc à chaque démarrage extinction de console, vous tomberez là-dessus. Vous pouvez lancer donc votre système Atari, votre système Ubuntu, comme bon vous semble. Là je vais prendre l'exemple avec le système Atari pour vous montrer que ça marche bien. De même, si vous veniez installer des systèmes sur la carte M2 ou à en supprimer, automatiquement à chaque démarrage en fait Grub détectera si un système est présent ou pas et vous le proposera donc dans la liste de démarrage. Voilà, hop. Voilà, donc ici dans cette vidéo, on a vu comment installer ce système Grub, donc multi-bootloader, sur une clé USB et on va enchaîner en fait. Je vais vous montrer comment installer ce même système, mais de manière permanente, c'est-à-dire sans avoir à créer une clé USB en le copiant tout simplement sur le système et avoir cet écran de démarrage, donc si vous le souhaitez bien sûr, au boot de votre console sans même avoir de périphérique USB connecté dessus. Voilà, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.